Ah oui, allô micro. Donc je disais, on est motivé, on a envie. Et on meurt pas. Et on n'est pas mort comme un sac. J'ai pas trouvé la save room. Hein. Bonjour Arcantas. C'était fermé, c'était fermé. Oh là là, Shadows qui redonne. Ah! Merci pour les bits. Incroyable. Très bien vieilli. Bah, c'était le premier avec des environnements 3D, ouais. Ça va, la version HD, elle est plutôt propre, je trouve. Faut se dire que le jeu, il est sorti dans les années 2000, quoi. Salut Duck. Ah, elle a dit qu'il n'y avait rien. RE HD, c'est 20... janvier, 29 février, 29 janvier. Oh, oh, je me suis tellement coincé. Sur Xbox One X. Merde. Il y a trop de dates, je me perds. C'était intéressant à faire, c'était pas le jeu le plus incroyable. J'ai tellement utilisé comme un sac toutes mes balles de mitraillette. Propre, propre. J'ai réussi à le rater. Je me demande quand même c'était quoi la bestiole. Donc, bah ouais.
R0 n'est pas fou. Hein. Eh ben, merci Luc pour ton sub. Re, ouais re. Quatre cartouches. C'est un agent anti-combustion, il faut l'utiliser avec un extincteur. Drainage uniquement si échange contre eau propre. Du coup là je peux faire ça. Pas besoin d'utiliser ça maintenant. Carré. Mais la machine elle est niquée, elle peut pas retailler en carré. Après Doc. Maintenant que tu taffes. Mais tout le monde trouve un boulot. Ah. La faute à qui La faute à qui Chronos? D'ailleurs je soupçonne des gens qui ne vont pas renouveler leur sub offert. Ça je vais recrever, hein. Bah là, il était devant moi, en fait. Je suis empoisonné et je suis empoisonné. Ah putain, elle tombe bien cette salle. Hein. Et je suis juste en faible. Thank you.
Merci Kalout pour le host. Des bisous. Bienvenue à tout le monde. Et Sir Lux. Salut Tofik, du feu. Salut Kalout. Ouais, c'est vrai, oui, c'est une bonne observation. Ah bah, la faute à qui? Profic. La faute à qui? L'année dernière, on avait fait Call of Cthulhu Dark Corner of the Earth. Qui est un vieux jeu. Et là, ce sera le jeu qui vient de sortir, en fait. Le deuxième jeu mystère à Violi, c'est Doki Doki Literature Club. Petit jeu. Un petit jeu. Tu connais pas? Essaye d'être là, alors. Oh, Shadows qui redonne des beats. Merci. Mais merde. Une journée à faire Cthulhu. Ouais, c'est quoi? C'est 6-8 heures, non? Ah, ça rappelle un truc ici. Le jeu est toujours aussi mauvais. Surtout parce que la fin est bâclée. Ah ouais? On dit pas trop, on dit pas trop. Sacré tas de merde.
tellement l'impression de m'enfoncer en étant un peu totalement à poil. Toujours sur le virus T Veronica que j'ai extrait de la reine fourmi. Plus je l'étudie, plus je suis impressionné par son potentiel. Je me suis enfin inoculé le virus et j'ai compris comment le maîtriser. Je ne réitérerai pas la même erreur que celle commise sur mon père. Je vais porter ma température corporelle à un niveau très bas afin de ralentir les effets du virus. Selon mes calculs, il me faudra 15 ans pour être immunisé. Je pourrai alors coexister avec le virus. En attendant, je dois me fier à la capsule qui me protégera et à ce soldat loyal, mais peu compétent, qui est mon frère. Je dois prendre certains risques pour accéder au pouvoir suprême. À mon réveil, je serai la reine et mes enfants répandront le virus T Veronica sur la terre entière. Toute créature vivante n'existera alors que pour me servir. La terre deviendra alors une immense fourmilière dont l'écosystème parfaitement équilibré sera centré sur l'être le plus évolué de l'espèce, moi-même. Non, Obscur, on l'a pas fait, mais j'y avais joué à l'époque et j'ai pas forcément des souvenirs dingues. C'est Redac, 32 mois de gros subs, des gros bisous. Cyberdémon, il est dans sa boîte. En fait, y a rien là. Alexa et moi sommes les deux faces d'une même pièce. Le dessin est gravé sous le nom d'Alexa. Vous notez? Vous notez, hein. Je compte sur vous, hein. Les deux faces d'une même pièce. Je ne peux pas résoudre l'énigme en état, d'accord. C'est qu'il y avait un truc avec... les faces de pièces, tout ça. Si vous entendez mon téléphone sonner et que vous ne voyez pas et que vous ne voyez pas tilter, n'hésitez pas à spammer le chat. Pour un jeu de plateau Warhammer à Noël, lequel? Putain, mais ça m'enlève vraiment de la vie, ça. Bon, les herbes, ça a l'air d'aller mieux, hein. Un PV sur 200, c'est de la merde. Et tu peux ne pas déclencher l'apparition des mythes. Ah, Warhammer Underworlds Night Vault. Faudra qu'on se teste ça. Rapport Reine des Fourmis. La découverte des restes d'un ancien virus dans les gènes d'une reine m'a décidé à intensifier mes recherches sur les fourmis.
L'écosystème des fourmis me paraît parfait. Il y a une reine par fourmilière et ses sujets sont les ouvrières et les soldats. Leur vie entière est dévouée à leur reine. La mort de la reine est synonyme de catastrophe pour la colonie entière. En revanche, les soldats et les ouvrières sont des entités remplaçables tant que la reine est en vie. C'est exactement le système que je cherche à instaurer entre moi et la masse ignorante. J'ai réussi à créer le virus idéal en implantant les gènes de la reine dans la souche du virus isolé par Spencer. J'ai utilisé mon père comme sujet de test. Le virus est opéré des mutations rapides dans ses cellules, déclenchant la dégénérescence accélérée des cellules cérébrales et dermiques. Un nouveau type de gaz toxique a été généré dans son corps et l'herbe bleue n'a aucun effet curatif. J'ai donc synthétisé un antidote en cas d'urgence que j'ai stocké dans l'entrepôt des armes chimiques à l'étage B2. J'ai baptisé ce virus exceptionnellement virulent le T-Véronica. Lorsque je réussirai à exploiter cette puissance phénoménale, mes recherches porteront enfin leurs fruits. Salut Torres. Construis tes figurines comme les Warhammer à l'ancienne, mais avec des vraies règles de jeu de plateau. Ah, faut les peindre. Voilà, tu me dises hein, comment ne pas déclencher l'apparition des Mitchers. C'est parce que tu proposes du qualité. Non, si je monte en sub là, c'est parce que t'as toi et Shinodia et beaucoup d'autres d'ailleurs avaient craqué votre Mélouse. Et passe une bonne soirée, Kronos. La fourmilière sans avoir péri. Ah, c'est la reine fourmi, ça? Ça servait à rien, en fait, là. Merci. Pour ne pas déclencher le passion, il suffit d'aller tout droit en descendant l'escalier et ne pas prendre à gauche. Oui, en effet, oui. Je crois que je vais retourner au coffre. Parce que dans le... Si je me rappelle bien, dans le, la reproduction du manoir du 1... il me semble qu'il y a un boss au milieu. Je sais pas si c'est tout de suite. Bonne soirée, le rock. C'est vrai qu'il y a l'extincteur, ouais. Faire un peu de backtracking. Vraiment Cali.
pêcherai aux Z-Event. Tu te disais, dis-toi. Reviens à l'avion. Bah, j'y suis. T'es Garbisen. J'y vais. Méthode de déplacement silencieuse. Donc là, il y a un coffre, je me rappelle. Ah, mais là, j'ai ça aussi. Un putain de dé. Ah, c'est pour voir les faces de chaque côté. C'est bon, ok, j'ai compris. Il y a une salle secrète dans le hall d'entrée du complexe antarctique. Je ne sais pas encore ce qu'il s'y cache, mais j'ai découvert comment pénétrer dans la pièce. Il faut que j'utilise les joyaux que chacun d'entre nous porte en signe d'appartenance à la lignée des Ashford. Je dispose du mien et de celui de ma sœur, mais comment récupérer celui de mon père ? Je suis enfin parvenu à pénétrer dans cette salle. Je ne peux me résoudre à croire que ce que j'y ai découvert au sujet de ma naissance et de celle d'Alexia. Je hais mon père. Quelle folie. Il ne nous a créé que pour pallier sa maladresse. Alexander a déshonoré notre famille. Seule Alexia et moi pouvons laver cet affront désormais. Mais je n'ai rien à craindre tant qu'Alexia est avec moi. Alexia a enfin effectué l'expérience sur le corps humain que nous préparerions. Nous préparions depuis si longtemps. Notre idiot de père peut être heureux, il aura finalement contribué à sa manière à l'honneur de notre famille. Nous devons juste prendre garde à ce qu'Arman, le majordome, ne prenne connaissance de nos activités. C'est un échec. Notre père n'a même pas servi à cela. Pire, il s'est transformé en un monstre incontrôlable. Nous avons finalement réussi à le neutraliser et à l'enfermer dans une cellule souterraine. Alexia semble avoir compris d'où venait le problème. Contre toute attente, elle désire procéder à la prochaine tentative sur elle-même. Elle me dit devoir rester endormie pendant 15 ans pour l'expérience. Par la faute de cet imbécile, je serai privé de ma chère Alexia pendant 15 longues années. Alexia va s'assoupir. Elle a placé toute sa confiance en moi. Je suis maintenant le seul à la protéger. Bon, ça sent la petite journée... Tes petites fins de journée après le boulot, manga story, maison de la poutine.
toutes les petites pelles. Yannou qui le connaît vraiment par cœur le jeu. Et tant mieux, ça m'a évité de tourner comme un as. Bon, monsieur qui me livre mes courses, c'est quand tu veux. Parce qu'il y a mon repas de ce soir dedans. Bah tu vois, Woody, comme tu connais pas la série, tu t'en fous. Hein. Moi j'aime bien ce Double O, mais du coup tu vas croiser beaucoup d'Exia et de Double O Riser, un peu moins les autres. Ceux de Iron Blooded Orphan, tu regardes le Barbatos, il est assez stylé. Je préfère le Double O Riser au Double O Quant en fait. Toujours pas regarder IBO. On peut être sponsor par ADN et Crunchyroll quand on est streamer. Le patator. Alors c'était écrit qu'il fallait chauffer. Mais je vais me faire exploser la gueule si je fais ça. Ah non. Tu vois, en fait, ce qui m'emmerde, Floya, c'est que ça commence à devenir... On l'avait vu venir, on y est, et ça gaffe tout le monde. T'as ton abonnement Netflix, t'as ton abonnement au Game Pass de Microsoft, t'as ton abonnement au PS Now, t'as le PS Plus, t'as le Xbox Live, t'as... je sais pas si j'ai dit Netflix, t'as ADN, t'as Crunchyroll, t'as Disney Plus qui arrive, t'as... C'est mieux si c'est Claire qui l'ouvre. Bah oui, mais elle a pas le briquet, Claire. Tu vois, Netflix, c'était bien, c'était centralisé, ça payait les ayants droit. Et voilà, mais là ça commence à se disperser, il y a l'abonnement chez Nintendo, mais... Bon après... Nintendo c'est... C'est 20 balles par an. Donc il faut que je retourne en bas. Un abo sur Steam pour plus rien payer, je prends. Hein. Ah.
Tu vois où il y a un truc au centre là. Mardi, je stream le Halloweenathon. A priori, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Patator, je le garde pour le prochain boss. J'ai oublié ça. Ah, c'est ton anniversaire. Ah. Bah oui, a priori, je suis là. Alors il y a le D qu'on peut aller voir, il y a... est-ce que je re-sauvegarde ? Rappelez-vous, hein, comme le dit si bien Gog, mais je les ai pas en plusieurs exemplaires. C'est marrant parce qu'il y a le truc dans la... Petit clin d'œil, très léger. Hein. Faut revenir à l'aquarium. C'est l'air rien dit.
Bah, il y a une porte, mais j'ai pas envie de la prendre. Bon courage, Woody. Voilà. Là, on a usiné la valve pour ensuite la remettre comme avant. Des génies, des génies. La clé de la gueule. Saloperie de Hunter empoisonné. Of insignificant bugs, said the spider to the fly. How do you wish to die? Faut juste que j'aille au centre récupérer récupérer l'objet. Ami Chris. Bah oui, easy, easy. Un talent, voilà. Et pas du tout parce que j'ai un guide. Je sauvegarde, je vais me soigner. Enfin, je prends quelques soins.
Ou est-ce que je sauvegarde et je vais choper. Je vais utiliser le code avant. Avant d'aller au fameux coin. Balap Torres! Euh, 19 et 21 heures, Human. Il a encore une heure. C'était cœur, pique, double A, couronne. Donc, la face à l'opposé de cœur, donc c'est A. A, couronne. A, couronne, cœur. A couronne cœur pique. Ah, faut mettre un truc. Dans des PD. Non, c'est les livreurs d'Auchan. Non, 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 Auchan, il y a général. Franchement, quand je me fais livrer mes courses par Auchan direct, j'ai jamais eu de soucis. Hein. Le mec, il lui reste une heure. Hein. Oui, mais quoi? Je pense à la broche une fois que j'aurai trouvé les 4 L en fait. Je vais retourner sauvegarder. Ah d'accord, donc faut faire ça. Je sais pas, je voulais déjà rentrer dans la maison, voir s'il n'y avait pas le boss à taper. Salut Robnur. Ça roule, ça avance, ça avance. Après, il y a Yannock qui me guide bien, donc ça va, ça avance. Ah merde, j'aurais dû prendre le couteau, c'est vrai. J'avais oublié ça. J'ai pas joué à Dying Light.
On l'a chaudement recommandé. Si tu délivres Claire, tu joues avec elle. Comment on fait pop le boss déjà? Parce que c'est Chris hein, qui... D'accord. Donc limite, il faudrait que je repose toutes les armes et munitions que je vais pas me servir, quoi. Quoique... Oh, comme c'est bien fait. Bah, j'ai que ça à faire, non? En fait... Où je peux trouver la quatrième aile avant. Non, tu m'as dit que... Donc faudrait que je mette un truc dans la boîte, mais je me rappelle pas avoir un objet... Ah bah faut mettre le dé dans la boîte, putain, c'est carré. Putain, mais quel âne. Doc, j'en suis sûr. Le streamer est mauvais. Le streamer a faim. Vous auriez pris Resident Evil 2, j'aurais déjà terminé. Sérieux, je passe. C'est de la merde. Recouper le courant. Le bijou d'Alfred.
On va essayer de réfléchir à la suite. Mais non, c'est pas là. Les insectes, Yannick disait, c'est 1 PV. Donc là, faut que je recoupe l'électricité ici, c'est ça ? Je m'imaginais sûrement autre chose que ce que c'est vraiment. Deux bijoux, il me manque celui d'Alexia. Il est long, Code Veronica, c'est peut-être le plus long, ouais. Le 6 est long aussi parce qu'il a plein de scénarios différents. Est-ce que j'ai des choses à faire avant de lancer la partie de Claire en fait? Mais sais-je plus Claire avec Magnum? D'accord. Je prends juste le Magnum ou... Et ça, Claire, elle a pas besoin de beaucoup, je me rappelle. Ah, attendez.
Ouais, donc excusez-moi, il galère un peu, mais il arrive. Je vous mets un peu de musique en attendant. J'en ai pour 3-4 minutes.
Ouais, je suis là. Bien joué, tu es là. J'ai jamais vu un mec aussi pas doué de ma vie. C'est incroyable. Le mec, je le vois de ma fenêtre, parce que ma fenêtre donne sur la grille d'entrée de la résidence. Et je lui dis... C'est le premier bâtiment sur la gauche. Et vous voyez Zoro dans One Piece? Le mec, il rentre, il part à droite. Je le rappelle. Je dis non. L'autre gauche, du coup. Je fais, ah ok, d'accord, je vois le bâtiment. Le mec, il est parti tout droit. Le mec, il est arrivé au bout de 10 minutes. Non, j'ai dit premier bâtiment à sa gauche, quoi. Premier bâtiment à gauche. Non, mais... Incroyable! Incroyable, le mec, c'est... Allez. Bon app, Arcantas. On va faire le boss. J'ai oublié de prendre le couteau. Et attaché si je foire ses consoles. Bah non. Puis ça peut arriver. Puis t'en as jamais foiré. Non, c'est différent, là, enfin, le mec. C'est incroyable. A besoin de deux sprays mini, ouais, je pense qu'elle les a. Merde. Il y a des herbes aussi, ouais. Il y a ce qu'il faut en soin. C'est pas bien de se moquer. Non mais j'étais juste mort de rire parce que j'ai vraiment vu Zoro de One Piece, quoi. Je fais, ouais, premier bâtiment à gauche. Je raccroche, je le vois partir à droite, quoi. Avec le chariot, avec toutes les courses. N'empêche, fallait la trouver, hein, sœurette là. Claire. Chris. I missed you so much. I know. Moi, je me moque, Castor. But we have to get out of here. Not yet. We have to find Steve. Who's Steve? He's a boy who escaped from that island with me. But then a monster attacked us and we got separated. So that means Steve is still somewhere in this base? I'm sure of it. Claire? What's wrong? I think I've been... poisoned. Just hold on. I'll be right back. T'en fous, allez où, hein? Yeah.
D'accord, c'est le couloir avec les mythes. Ah mais on la bat pas tout de suite, on le tue pas tout de suite le boss. Alors, du coup je vais aller reposer toutes les plantes. Ah, c'est si tu te fais pas empoisonner dans le combat contre le boss, en fait, t'as pas cette partie-là. Là, je vais déclencher les mythes. Ah, bonjour. Plus trop Hydra. Il sera clairement... oui, il sera clairement fini demain en début d'après-midi, quoi. Non, c'est l'extincteur. Pardon? Ah, la salle est gelée. C'est la salle du Magnum. Ah, donc c'est en haut en fait. Eh ben non, c'est pas du tout là. Ah putain, non, il faut que je retourne à l'aquarium. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, putain. Ne vous inquiétez pas, je suis pas perdu. Hein. Je vous vois là en train de... Hein.
Ouais, mon PB, c'est 3 jours. Ah, sérieux? L'heure 55, ça reste un long speedrun hein, quand même. Hein. Le live Microsoft, c'est en fait je m'arrête à 21h. On prend l'antenne, je lance le live direct sur la JVTV en mode boucle d'attente. Le livreur, c'est bon, hein. Il a pas speedrunné, mais c'est bon, il est passé. Et on prend l'antenne à 21h30, on discute un peu avec tout le monde. Eh, hey, coucou Sylvain. Et à 22h, c'est... À 22h, ça démarre. À 23h, on a tous acheté une One X. Et à 22h59, on est comme ça devant Crackdown. Ah bah je vois que tu m'as envoyé un message Sylvain. Donc t'as vu comment j'avais discuté avec Trunks en fait. Voilà, je l'ai expliqué là. Parce qu'à 22h je lance la boucle sur la JVTV. Le temps que les gens arrivent, discutent. Et à 21h30 on se met en vocal, voilà. Parce que je vois qu'il y a des messages qui commencent à popper. J'ai dit 22. Oh, je sais plus. Feeling better? Thanks to you. Just like a big brother, huh? You're always looking out for your little sister. It's Alexia. Alexia? There really is an Alexia? It is almost time, you genetically inferior siblings. After her. She might know where Steve is. Let's go. Mal au genou. Just go. I'll be fine. But Chris, you've got to save Steve. Go. Ah, on joue avec elle. Elle va pas très bien. Du chirurgien. Yeah.
Est-ce que je ferais pas mieux de poser le... le lance-grenade au fond? Spray le 9 mm. Bah, j'ai des herbes rouges. Full life, donc tout ce qui reste de mes soins. Ah oui, ouvre la valise pour Chris, c'est vrai. Ah oui, je me rappelle pourquoi il faut des soins. Je me rappelle de cette partie-là qui était assez chiante, ouais. Quand j'ai fouillé la salle... Oh, faudrait que je mette le fusil à pompe, là, c'est ça? Ah oui, mais je l'ai pas. Ça débloquait quoi, du coup, si je l'avais? Si j'assine... Ah oui! Oh. Alors là, je me rappelle, je sais plus.
Ça se déclenche la première fois que j'y vais, c'est ça? S'il n'y a pas de sauvegarde, je ne voudrais pas crever comme un con. Le grand secret Ashford se trouve ici dans ce labo. Par mesure de sécurité, j'ai mis en place un système d'autodestruction dans la salle de contrôle et son code d'activation se trouve dans l'ordinateur. En cas d'activation, toutes les serrures seront déverrouillées afin de libérer les accès d'urgence. Il est facile de sortir du labo en utilisant l'ascenseur le reliant au hangar. Le code d'activation correspond au nom de notre illustre ancêtre. La Véronica, quoi. Terminé à Secret World. C'est un jeu que j'adore. Que j'adorais parce qu'avec la mouture Legends j'ai détesté ce qu'ils ont fait du jeu. Le système de leveling, des compétences, l'appel au portefeuille un peu trop prononcé. Donc voilà. C'est là qu'il faut aller, je crois. Combien de coups je me soigne? Steve? Oh, Claire. Crazy woman told me she was gonna perform the same experiment on me that she did on her own father. She's completely insane. What's wrong? C'est pas deux coups. Oh, y a tout à refaire.
Bah oui, deux coups. Bah, au deuxième coup, j'ai voulu me soigner, mais... Alors Udek, tu vas être très triste, parce que du coup, je vais devoir m'arrêter, là. Parce que j'ai d'autres choses de prévues après. Mais du coup, au deuxième coup, j'ai voulu me soigner. Mais la question, c'était combien de coups avant de me soigner? Oh, c'est mal compris. Non, mais écoutez, tant pis, je devrais refaire le petit passage avec Chris. Je le fais... Quand c'est à chaque coup que je mange, il faut que je me soigne. Bon, bah, ok, on sera pour demain. Je referai la petite partie avec Chris, c'est pas grave. Avant. Du coup, ouais, je vais m'arrêter là. On se retrouve à 21h30 sur la JVTV pour la conf Microsoft. La suite de Resident Evil, c'est demain à partir de 15h, ici même. Et puis voilà, merci d'avoir été là. Merci de ne pas avoir fait avancer la cagnotte aujourd'hui. Et je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous et on se retrouve tout à l'heure sur la JVTV. De grandes choses nous attendent. De grandes choses. À tout à l'heure.